Small World. Le monde est tout petit et... Oh. Oui, bon, trop petit. Et les habitants de Small World se font la guéguerre pour se repousser les uns les autres. Dans Small World, chaque joueur choisit un peuple et un pouvoir spécial pour former une armée. Le but est de conquérir le monde. Ce monde est différent si on joue à 2, 3, 4 ou 5. On prend ses petits bonhommes et on déplace son peuple de région en région. Chaque région occupée par vos petits bonhommes vous rapporte un point de victoire. Si la région est déjà occupée par une tribu oubliée ou par un adversaire, il suffit d'être plus nombreux que lui. Au pire, le dé spécial le boutera hors de chez vous. Chaque peuple est différent et procure un avantage, et chaque pouvoir spécial aussi. Vous jouerez différemment si vous avez des zombies marins, ou des nains diplomates, ou encore des squelettes volants. Il y a des peuples qui profitent des lieux, forêts, montagnes, champs. Certains ont besoin de magie, de cavernes ou de mines. D'autres utilisent forteresses, campements, héros ou dragons. Quand votre peuple est trop décimé ou trop répandu, abandonnez-le. Il devient un peuple en déclin et vous permet d'en choisir un nouveau. Attention, plus vous en prenez un cher et plus il faudra sacrifier des points de victoire, rendant les autres peuples plus intéressants pour vos adversaires. Tous les points sont d'ailleurs tenus cachés. Quand tous les tours sont passés, le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie.